J'ai eu juste un mot, bien sûr, j'ai commencé, comme je vous disais, dans la visite médicale il y a maintenant longtemps. Pourquoi? Ben parce que d'abord, j'étais très jeune, j'aimais le tourisme, hein, et j'étais à l'époque. Cette espèce de séduction qui émane des délégués médicaux, et ça, c'est grisant de se savoir séduisant. Hein. Tous les matins, on sait qu'on va séduire. Hein, c'est fantastique, vous voyez. Hein. Et c'est vrai, ils n'avouent pas toujours facilement les médecins, mais ils sont hyper séduits. Et puis, faut voir le rythme, toujours en train de courir pour aller attendre. C'est très agréable. Oui. Vous voyez, un délégué médical, il dit, mais pourquoi tu cours? Ben, il dit, je cours chez M. Martin, il fait attendre tellement longtemps. Faut que je me dépêche. Arrête tes conneries, s'il fait attendre tellement longtemps, pourquoi tu te dépêches? T'as tout le temps. Ben, pas du tout, parce que si j'irai plus tard, j'attendais encore plus. Si j'étais pas con, je me serais mis encore, du coup, j'aurais attendu moins. Oui, hein, c'est complexe. Hein. Donc, le délégué médical, un équilibre de tout réfère. D'accord? Hein, et un mental de titane. En gros, c'est ça, la posologie. Et alors, c'est sûr que le samedi, après une semaine de visite, faut pas vous demander de faire la caisse la queue à la caisse d'un hypermarché. Voilà. Parce que là, vous taillez dans les bâtons ménagères, mais t'as dit. Là, on rigole plus. Là, le mental, il tient plus, il lâche. Non. Ce qui était bien, c'est l'hôpital. Oh, l'hôpital. La réserve. Oh, le truc de l'hôpital. C'est un idéologue. On se pointe au bouban, là, qu'on se fait faire d'un coup. Au moment du déjeuner, il marche en grappe. Ça, c'était super bien. Une fois qu'on était devant le médecin, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Vite fait, on présentait tous les médicaments. Hein, toc, hein, hein, 3, 4, 5, voire ça dépotait. Là, c'était l'information, hein, c'était pas la communication. Hein, là, on informait. L'autre en face qui l'écoute ou qui l'écoute pas. Ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas, il y avait droit, hein. On larguait l'information.